Classe en session avec professeur Rousseau. Jodi a n'ap pale de emblème avec symbole. Tout au long de classe en session, nous allons essayer de définir pour emblème à symbole. Plus particulièrement, n'ap météo en perspective météo en question pour qu'on connaisse qui message que vous voyez dans le cadre d'une constitution. Aussi, dans la classe en session, nous allons parler du drapeau haïtien comme un symbole du pays d'Haïti. Et si que temps permet-nous, nous allons faire une petite histoire côté que nous avons retourné en 1897 pour nous parler de l'affaire Lüders, pour nous montrer que l'Allemagne a gagné en dette envers Haïti. Sans que nous pas trop parler, en nous parler ou en expliquer ce qui serait les symboles avec emblème. Non, pile fois déjà nous parler de constitution. Nous définir et je dis à la en pile dans nous en mesure pour nous connaître que en constitution, c'est pas uniquement en loi que un groupe de monde a changé parce qu'ils ont envie de faire, parce qu'il y a une convenance. Mais c'est un document vivant, un document qui a n'importe qui monde qui a amendé, mais faut que les amender suivant la procédure que propre position a demandé tout. Lorsque vous amendez la position, c'est parce que vous voulez amender lui-même, parce que vous voulez refléter tendance actuelle société que l'UEJ a. Nous toujours dit que démocratie implique existence de institutions qui représentent les peuples à tout niveau, niveau parlement, niveau exécutif, niveau judiciaire, jusque dans zone qui pille reculé. C'est à travers la rotation ça que société a lui-même exprimé volonté. Exprimé volonté pour permettre que des mouns dirigent, mais pour mouns ça ou pas diriger peuple là sans que peuple a le pouvoir pour diriger. Moi, toujours étalé en long et en large de préambule constitution, côté que à travers préambule ça, nation haïtienne, les fortifier, ça que nous carrément comme unité nationale. C'est à travers le préambule ça que le peuple haïtien exprimait volonté, volonté pour défendre la souveraineté, volonté pour les conserver valeurs morales, valeurs patriotiques, les acquis de 1904 et tout acquis ça a été fait nous, première république noire du monde. Nous, c'est la première république noire qui a obtenu l'indépendance nous à travers le sacrifice de nos pères, de nos héros, de nos aïeux. C'est à travers le préambule ça que nous, Haïtiens, nous disons que nous prenons le travail pour nous assurer une séparation harmonieuse des trois pouvoirs de l'État. Et côté que nous mettons le pouvoir ça à disposition du peuple pour qu'il servir, pour qu'il défendre l'intérêt, pour qu'il protéger la priorité. Classe en session, emblème et symbole qui ça que vous y est. Symbole avec emblème de d'Haïti, n'a venu dans la constitution, dans titre 1, chapitre 1, article 1 à 7. Selon le dictionnaire Oxford, Larousse, Petit Robert, il dit que symbole, l'éveni du mot latin, symbalistai, qui en français signifie mettre ensemble. Un symbole li ka un objet, un symbole ka un image. Et symbole ça, image ça, li associé avec une histoire abstraite, une histoire qui c'est une représentation historique de ton peuple. Pour contre lui, un symbole pas porté en quel sens. Mais lorsque vous prenez un symbole ça, pour placer dans un contexte précis, li voyez un message clair, un message fort, un message direct by tout le monde qui est dans le pays et même le monde qui est dehors du pays. Lorsque ce symbole-là est accompagné d'un message, il projette ça que nous relions en représentation distinctive. Dans une perspective qui a un rapport avec la constitution haïtienne ou n'importe quelle constitution, symbole avec emblème, ce sont des marques de révérence, ce sont des marques de reconnaissance légale qui représentait Haïti, qui représentait une nation. Chaque nation, yo décidé sous qui symbole, qui emblème que yo voulait adopter. Symbole avec emblème, c'est pas
au hasard que nous choisissons, que un peuple choisit, que des leaders choisissent. Nous tous choisissons suivant des normes culturelles, mais aussi suivant des normes politiques, pendant que nous respectons les standards internationaux. De ce fait, tout pays qui amine, tout pays qui allie, tout pays qui ennemi, nous pas bien dit que nous pas connaît qui sa symbole loi, qui sa emblème loi veut dire. Et c'est pas en raison que c'est pas sans raison qui fait que tout pays gagne un drapeau, tout pays gagne un devise, tout pays gagne un slogan. En ce qui a fait avec sur haïtienne 87 là, symbole là lui-même c'est une abstraction. Il représente une bannière démocratique, c'est à travers bannière ça que nation lui-même la vive. Symbole là en tant qu'abstraction, il proclame que Haïti c'est une république indivisible, une république souveraine, en république coopératrice, en république libre et démocratique. Et en tant qu'en république indivisible, souveraine, coopératrice, libre, démocratique, Haïti, toujours comme un symbole, Port-au-Prince, c'est un symbole de capital et d'Haïti. Capital là, c'est là que toute transaction diplomatique, transaction politique, c'est là que vous menez aussi, c'est capital là que l'autre pays avec qui vous gagnez des relations diplomatiques, yo connaît que pour exister parce que c'est la palais et li écrit la constitution pas gagne aucune raison à moins que ta gagne cause majeur pour ta déplacer et capitale là mettre le dans l'autre ville. Emblème symbole là c'est en matérialisation et lui même qui reflétait un côté objectif du symbole là même dans quatre pays pas nous. Premier symbole que nous gagnons, c'est drapeau. C'est drapeau qui est emblème république là. Drapeau, il composé de deux couleurs égales qui placées en proportion et disposées horizontalement. Bleu là en lait, rouge là en bas. Gagnons pas qu'être par les cafés qui dit que bleu là, il représente haïtien qui noir, rouge là représente mulat. Mais quel que soit ça que l'ICA représente, quel que soit ça que l'ICA représente, ce qui est clair, c'est que ou pas qu'à définir vraiment fierté au peuple, ou pas qu'à vraiment définir fierté au monde. Sous drapeau, il nous graver les armes de la République qui se font palmis, qui surmontait du bonnet de la liberté et qui couvrit avec quelques ombres de palme et qui a un trophée d'armes qui ont écrit au légendaire. Ensemble nous faut l'union fait la force. Nous pas quitter nos petits boutons pour nous-mêmes pour nous décider de pas nous mais est-ce que vraiment pays ça est-ce que nous-mêmes vraiment nous unis est-ce que nous faut même Jacques lui écrit sous la loi même Jacques lui écrit dans préambule constitution. Chaque pays gagne une devise et devise pas nous c'est liberté égalité, fraternité. Son slogan qui inscrit sous tout document officiel nation, papier, timbre. Pour après, il y a trois slogans, ça y est, liberté, égalité, fraternité. Toujours, lorsqu'on a parlé de symbole avec emblème de PIA, nous dit que PIA a gagné deux langues officielles, créole avec français. Mais haïtien, nous unis entre nous à travers le créole, quoique et débat nous yo quoi que livre nous après petit monde nous yo c'est en français que quoi que en tribunal yo et un avocat ta fait fréquence par le créole mon t'a tombé parce que nous remet les monde parler avec nous pour ne pas comprendre. Toujours parlant de symbole, la monnaie que nous utilisons goud là les mêmes ils sont monnaie officielle pays à c'est à travers la transaction yo connaît que c'est goud qui fait partie de qui c'est symbole qui c'est emblème pays d'Haïti. Constitution haïtienne li interdit le culte de la personnalité. Ça veut dire que ou pas pour photo un monde qui vivant ou pas pour un monde non un monde qui vivant sur un lycée ou pas pour photo un monde qui vivant sur l'argent noir ou pas pour photo un monde qui vivant sur timbre que nous y ayons, c'est parce que nous pas fait culte de la personnalité.
Et pas sans raison, on voit que lycée nous yo, yo gagné non monde qui pas existé encore. Et Pechina, Anacaona, tout le monde ça parce que position 1 li interdit que nous fait culte de la langue. C'est pour ça que lorsque Aristide était en pouvoir en 91, il y a une série de villes, une série de lycées qui ont gagné non un président en vie pour être obligé pour prendre des décrets, des décisions pour être éliminé ça. Par exemple, Duvalierville, Duvalier, qui a gagné les cabarets, qui a gagné lycée Anacaona, lycée Simon Duvalier, qui a gagné lycée Anacaona, qui a gagné cité Simone, Jodia, qui cité Soleil, c'est une façon pour pas gagner un culte de personnalité, quoique c'était Simone qui a arrêté parce que était en mort déjà. Toujours en ce qui a trait avec symbole pays d'Haïti, nous gagnons ça qui est un hymne national qui est là des Salinières. Lui-même qui était venu en hymne national, qui était fait partie de l'emblème nous, de symbole nous en 1904, quoique nous étions indépendants depuis 1804. L'hymne national, la Salinière, il a été écrit en 1903, 100 ans après l'indépendance. Il a été écrit par Justin Lérisson et c'est Nicolas Giffrard lui-même qui a composé. Et ça, c'est une chanson patriotique, solennelle, qui exprimait ça que nous carrément notre identité nationale. Il évoque, il fait éloge de l'histoire, tradition, il dit nous comment pour nous vivre. Mourir est beau pour le pays. Et il parlait de toute lutte que nous-mêmes haïtiens nous avons donné pour nous dire qu'aujourd'hui, la tête entière nous libre. L'hymne national, il est écrit en français, mais il y a une version en créole qui était écrite par Raymond Moïse et puis que Antidero s'est chanté. Mais jusqu'à présent, la constitution haïtienne et même ça qu'il a amendé en 2012, là, il n'y a pas de faire mention de version créole. Là. En Ken, oui. En quel port, en quel lycée, en quelle question l'État a supposé porter nom de un monde qui en vit. En quel rue a supposé porter nom de monde qui en vit. C'est pour que nous fassions honneur avec nos héros, nos aïeux, et sous mon nom, c'est toujours monde ancien aïeux ou après qui la donne. Nous avons parlé de symbole, aïeux, mais symbole vraiment qui fait que nous connaissons. Qui est-ce que nous, qui fait notre pays qu'on est, qui est-ce nous y est, c'est le bicolore, c'est le drapeau haïtien. Moi, c'est drapeau République d'Haïti. Moi, c'est sang. Moi, c'est nam tout haïtien. Moi, gagné plus que 200 ans. Non, pam, c'est bleu et rouge. On flottait sous tout grand bâtiment que pays a gagné. Me flotter sous ministère, me flotter dans ministère, me flotter sous tout bureau public qui existait, le passer devant l'église ou passer devant périssile, ou après quand même, parce que c'est pour ça que je t'ai crié, comme je t'ai représenté tout côté que j'ai haïtien. Moi, ou après sous uniforme tout policier, ou après sous uniforme soldat haïtien. Et on voit autour de président, chef d'État, on voit toujours que moi autour de eux. Moi, c'est drapeau haïtien. Tout président salue, quel que soit pays que vous soutenez. Tout ministre, tout parlementaire, tout juge, tout magistrat, et lorsque vous prenez ça, vous prenez ça pour respecter drapeau, pour respecter. Parce que moi-même, en tant que drapeau, moi, c'est symbole de fierté, symbole d'intégrité, symbole de souveraineté. Gardez bien, levez tête. Et si vous gardez bien, wapwem en l'air, toujours beau. Wapwem m'a valsé, m'a dansé avec le vent. Dans l'air, wapwem m'a valsé, m'a dansé, m'a chanté avec tes oiseaux. Et pour me conserver histoire, tradition, valem, cultime, fierté, en pile dans ti moun mwen yo, yo vénéré, et même si yo pa vle montrer, yo vénéré, mais
dans son cœur yo connaît que vénéré. Msi drapeau haïtien, moi c'est bleu et rouge, tout monde remet. Tout haïtien remet, ou te remet plus jodi a qui ont remet hier et après même plus demain qui ont remet jodi a. Moi fête, moi connaissance à la suite de lutte sanglante contre l'esclavage, contre l'occupation. C'est pour ça que moi gagne en pile arrogance, en pile confiance, en pile courage, en fort, en puissant, même si que nèg l'écraser, même toujours été tête moins bien haut. Moi représenter sang qui t'est coulé. Sang qui t'est coulé pour aujourd'hui à là, nous t'es ca première république noire. Mon c'est drapeau haïtien. Moi gagne une plus belle histoire du monde. C'est un honneur pour moi pour me représenter nous-mêmes. Peuple ça qui vraiment guerrier, résilient. Moi représenter paix et harmonie, moi représenter liberté avec l'honneur, moi représenter fierté avec résilience. Lorsque son dans ce moyen résonné, lorsque on tire un passé puis et m'a flotté dans l'air, et lorsque Timoun yo hissem yo monte manle chaque jour, chaque matin, encore une fois, marcher avec la tête haute, avec le cœur fier. Tout pays reconnaît l'essence, tout pays reconnaît forcément. C'est pour ça que Wapwem a flotté États-Unis, Wapwem a flotté en France, Saint-Domingue, Brésil, Chili, Canada, Cuba, Bahamas. Tout côté que gagne un haïtien, moins là. Tout côté gagne un haïtien, moins flotté. Je suis tellement fier, je suis entre le soleil et la lune. Je regarde en silence comment mon pays m'a dégradé malgré tout ça que je fais pour vous. Je souffre en silence lorsque mon blanc a foulé, pied a foulé sol moyen. Pour qu'à réduire encore une fois en l'esclavage. Je souffre davantage. Lorsque moi, ouais, au petit moment, il aurait été inactif, passif, ne pas dire rien, pour quitter l'autre monde, vin piller l'autre monde, vin joler, et pour garder même propre frère, ou sérieux, à piller tout, ne pas dire rien. Moi, je souffre en silence, parce que moi, humilié par l'étranger, et aussi moins humilié par mes propres fils. Moi, président du gouvernement, qui pas bien fait rien pour te protéger les trois ça, protéger petit moyen, protéger tête, protéger souveraineté. À maintes reprises, je t'ai humilié. À maintes reprises, je t'ai piétiné. À maintes reprises, je bafoué. À maintes reprises, je zombifié, je momifié, je salmé, je poupoussoué. Et moi, image moi a perdu force à travers le monde. Moi souffri, mais moi pas crié. Nous toujours qu'aimer la tête haute, toujours qu'aimer l'âme fière. Nous toujours qu'aimer respect, mon respect résilient, parce que depuis que je que m'étais fait là, moi t'es fait pour me connaître, pour m'étais toujours invincible, invulnérable, mais particulièrement brave et de loin. De très 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 loin, moi ouais quelques petits mounouais yo tout en chaque jour cap fait sans soutenant roche y a tenté impossible pour qu'a vienne rebâti visage moi vienne rebâti image moi parce que yo connaît même genre avec Ulysse y a pour retourner dans pied moi pour qu'a vienne fini reste jour yo lorsque yo fini grand monde yo fini bouquet yo connaît que c'est la caille y a vienne mourir joam toujours plus immense. Ces moments côté que moi ouais que drapeau, yo mette en berne. En tant que drapeau, je suis mis en berne pour nous ka honorer, pour nous ka songer grosse moun sa yo qui t'est versé sang yo, qui t'est fait sang couler, qui sacrifié famille yo pour te ka ban nous liberté, pour te ka ban moins liberté. Moi c'est bleu et rouge. Moi c'est haïtien et moi fier de l'être. Moi c'est témoin silencieux du peine qui fait avec Timoun. Moi m'garder en silence, ingérence,
étrangère. M'a regardé tout comment nous pas fait rien comme ça. Mais malgré tout, moi fait mon serment toutes les fois que des haïtiens qui vivent quel que soit côté haïtien à vivre, m'a toujours flotté. M'a toujours été symbole de liberté, dignité, respect, harmonie et n'a demandé pour bon Dieu, les saints, les anges, yo toute loi yo pour mettre ensemble pour yo ban nous force qui nous te gagné déjà yo. Pour nous gagner en constante sérénité, pour nous gagner courage ultime avec une motivation acharnée pour nous continuer à goumer farouchement pour nous goumer pour nous combattre l'injustice, l'insécurité et l'ingérence internationale. Moi c'est Bicolo. Moi c'est bleu et rouge. Moi c'est drapeau haïtien. Moi c'est haïtien et moi fier de ce que c'est haïtien. Et avec tant qui permet nous n'a entré dans en conclusion de l'émission d'aujourd'hui. Côté que nous allons parler de un point vraiment important, un élément en tranche d'histoire que en pile dans nous oublié. L'en considérer honte, déception, humiliation, embarras que Haïti te recevoir en 1897 de l'Allemagne, lorsqu'on a parlé de affaire Luders, nous avons dit aujourd'hui à la que l'Allemagne a gagné en dette monétaire, en dette morale envers Haïti, que l'Allemagne doit présenter des excuses au gouvernement haïtien. Si que oublier affaire Luders que vous avez appris dans l'histoire, dans la classe primaire, en nous fait un petit rappel pour que nous comprenions. Émile Luders, li bat un soldat haïtien. La justice intervenue, policiers yo intervenu, soldats yo intervenu, yo condamné Émile Luders à 30 jours de prison. Émile Luders li fait appel aux décisions, mais la justice dit que les commettre li pas soldat vrai, il y a toute preuve, toute évidence yo augmenté peine passer 30 jours à 1 an. 14 octobre 1897, la justice haïtienne condamné M. Émile Luders à 1 an de prison. 3 jours après que Haïti, que Émile Luders vient de prendre verdict pour la prison, Allemagne intervenue, lui demandé pour sentence contre Luders là, il a annulé et pour que la loi haïtienne arrête et révoque tout juge avec policier qui était participé dans le verdict ça et dans l'arrestation monsieur Émile Luders. États-Unis d'Amérique, les intervenus, manchon les fourrés pile bien long, les appuyer requête gouvernement allemand. Dans moment ça, nous te gagnons président qui te relé Tiresias Simon Sam. Li même pour qu'a éviter trop problème, 8 jours après, li prend une décision côté que li pardonné monsieur Luders, li dit mais pas pardonné à condition que ou quitter pays a. Monsieur quitter pays a 22 octobre même jour que yo te bal pardon. Luders pas satisfait. Li exiger plus de gouvernement allemand, gouvernement dit lui-même yo pas d'accord avec uniquement un pardon parce que juge yo avec policier yo toujours en fonction ou bien yo pas mettez yo en disponibilité. 6 décembre 1897, Allemagne li réclame, li fait une demande du gouvernement haïtien, une demande embarrassante. On demande qui pas grand qu'un rapport diplomatique qui pas grand lié à politique mais qui était lié plutôt avec un rapport de force côté que nèg yo yo mandé pour Haïti coubé yo avec diligence et si que yo pas coubé yo y a bombardé Haïti. Affaire Luders qui était passé en Haïti 6 décembre 1997
c'était plus gros embarrassement politique et diplomatique pour Haïti. Chargé d'affaires pays allemand, qui relait 40 Schwein, monsieur exigeait que le gouvernement haïtien acceptait que l'UDERS retournait en Haïti parce que nous avons évoqué en Haïti le droit du sang, parce que maman l'UDERS était haïtienne, papa était allemand, qui donc monsieur à la fois allemand et haïtien, il gagnait double nationalité. Gouvernement mandé pour monsieur retourner dans le pays. Et en plus de ça, monsieur mandé que le gouvernement haïtien lui paye une rançon de 20 000 marques avec le gouvernement allemand. Marque, c'était monnaie, symbole pays allemand, Allemagne, qui a été remplacé en 48 par Deutsche Mark et puis en 99, Marx a été remplacé par Euro. Gouvernement allemand lui exigeait en plus de ça que gouvernement haïtien saluait drapeau allemand de 21 coups de canon et lui demandait tout que gouvernement haïtien adressait une lettre d'excuse au gouvernement allemand. Et ça pour venir de vous, non? En plus de tout ça, en plus de pour lui laisser retourner, pour Haïti payer 20 000 marques, pour Haïti saluer drapeau allemand. Et il a demandé tout pour qu'on l'aide d'excuse et ça tue quoi net pour Haïti organiser une cérémonie officielle en l'honneur du chargé d'affaires que nous relais 40 Schwein. Allemagne pas uniquement parlé, lui atterri à Haïti avec deux navires de guerre qui relaient Charlotte et puis Stein. Côté que Nexa ou même yon jeté un sous côte d'Haïti et puis yon dit que si Haïti pas d'accord avec condition sa yon, y a bombardé Haïti, y a bombardé le pays national. Gouvernement haïtien, il te gen uniquement 4 temps pour li exécuter, pour li d'accord ou bien pas d'accord. Et lorsque le d'accord, en signe que le d'accord, président lui-même li pral monte un drapeau blanc. Vous dit ok, mon d'accord avec vous, pardon, signe d'acceptation. Haïtien nation, quoi que vous connaissez sans défense contre le gouvernement allemand qui a accosté deux gros bateaux de guerre dans l'eau haïtien, vous êtes prêt pour vous goumer pour le respect, goumer pour l'honneur, goumer pour la dignité de la patrie, mais c'est bien dommage. Président Tiresias Simon Sam, malgré que la France intervenue à travers l'ambassade en Haïti pour dire Haïti pas occupé, si on attaque ou n'a attaqué autour, le ben Haïti toute défense qui gagne, zam, l'argent, soldats ou Haïti défendre tête contre Allemagne, Tiresias lui-même l'a accepté sans résistance, l'a monté. Un drapeau blanc, côté que Libanais y a 20 000 marques, lui destourné dans le pays. Il a salué le drapeau allemand de 21 coups de canon. Il a présenté une lettre d'excuse par le gouvernement allemand et il a fait une cérémonie officielle dans la même joie avec chargé d'affaires là, 40 Schwein. Malgré que le gouvernement haïtien lui acceptait avec toute exigence dégradante anti-diplomatique du gouvernement allemand, de merci Dieu veut, lorsque Haïtien levé pour y aller sous pouvoir, yo joine qui dans qui état drapeau haïtien teye jodi a. Pendant que n'a fêté drapeau, est-ce que nous considérons qui affront que nous prenons lorsque dans de merci Dieu veut sous Béa, dans Bloa, ou Bloa Marina haïtienne, nous rejoignons drapeau sali, tout sale, mat pied sous lit, et puis, d'après l'histoire, baigné de matière fécale. Pour ne pas parler français trop, matière fécale, le dit poupou. Drapeau haïtien, badi jonne nan poupou. Qui ça que nous ka apprendre
d'affaire Luthers. Comment que nous allons comprendre l'affaire Luthers? L'affaire Luthers, lui prouvait que depuis très, très, très longtemps, le gouvernement haïtien n'a pas bien gagné courage pour défendre haïtien. Il n'a pas bien gagné courage pour défendre drapeau. Il n'a pas bien gagné courage pour défendre souveraineté. C'est eux-mêmes qui font n'importe quel pays traiter tant qu'on petit misangado, tant qu'on petit sans papa. Affaire Luthers, li rete jodi a la on honte pour Haïti. On honte international. Côté que nèg sa yo, yo profané drapeau haïtien, yo profané le bleu et rouge. Affaire Luthers qui était passé en Haïti 6 décembre 1817, c'est une preuve que gouvernement haïtien était toujours des lâches. Des lâches seulement lorsque pour protéger intérêt pays d'Haïti. Pendant que hier qui était 18 mai, jeudi à 19 mai, l'autre semaine cap combien mai toute année. Chaque fois où c'est un haïtien lorsque ou gars là pour ça, songez qui mal combien bout poupou côté la désolé. C'est pas de ne pas dire pour ça. Peu importe. C'est le symbole. Le symbole est abstrait. C'est pas drapeau qui est important, mais ça c'est ça drapeau représenté pour nous qui est important, pour nous en tant qu'haïtiens, pour nous en tant que peuple, pour nous en tant que peuple libre, pour nous en tant que première république noire. Notre drapeau a subi beaucoup d'affronts. Et l'intellectuel nous pas vraiment comprendre qui impact diplomatique, impact politique ça vient sur nous. Mais je dis à là, nous après allier force, nous n'a prêté peuple la voix nous pour nous demander que le gouvernement allemand les adresser on les d'excuses avec haïtien parce que côté humilié et pas drapeau de humilié, nous humilié, nous mettons comme là fini. Mais nous cal écrit on l'est en allemand avec gouvernement allemand pour lui présenter on l'est d'excuses by pays d'Haïti pour sa côté fin 6 décembre 1897 côté que Nexario était dégradé avilitéré image de marque un symbole de un drapeau qui représentait toute lutte toute misère, toute peine. Le pays, Allemagne, gagne une dette morale, une dette financière, une dette monétaire. Plus particulièrement, vous devez présenter nous excuses. C'est ça que je vous dis à la, en tant qu'haïtien, pour nous prendre comme priorité. Certes, ce n'est pas quoi de faire avec lui. Mais si que, après tout le temps, ça ne nous pas dit rien, nous qui continuer ouvert porte pour l'autre pays vienne faire même bagarre là. C'est pas sans raison ONG vienne dans pays a ou fait ça ou voulez. C'est pas sans raison que blanc vienne faire ça ou voulez, c'est parce que nous pas nous c'est un petit sangado parce que nous pas un gouvernement cap ban nous support, nous pas un gouvernement cap défendre nous pas un gouvernement qui cap goumer contre étranger, mais cap goumer contre yo, contre yo. Ou après gouvernement a bon proposition. Opposition contre gouvernement. Mais l'ennemi commun d'Haïti, ce n'est pas opposition, ce n'est pas kidnapper, ce n'est pas cité soleil, ce n'est pas grand avenue. L'ennemi commun d'Haïti, c'est l'étranger. Mais l'ennemi, ça qui est ce monde qui nourrit, c'est nous-mêmes qui nourrit. Parce que nous pas grandi, si nous nous avec fierté. Nous pas grandi avec courage. Nous pas grandi avec garçon dans garçon yo femme sous femme yo nous pas grandi avec grain pour yo goumer pour fierté pour yo goumer contre l'ingérence pour yo goumer pour protéger souveraineté nous
à faire l'UDERS, violation de notre emblème, de symbole, de tout ça que nous gagnons comme fierté. C'est une honte, c'est une dégradation des acquis de 1804. C'est juste là. Héros, ça a été gourmé avec sacrifice, qui était sacrifié famille, sacrifié besoin personnel, et sacrifié tout ça que connaît réputation, pour être ban nous un drapeau, ban nous un pays, et nous quitter que nex a yo vini pour nous craser tout travail que M. Dessalines, Pétion, Christophe, tout nex a yo, Toussaint, te fait pour te ban nous un drapeau. Moi, pas gagné pour me dire trop de ça, je vous dis à la. Tout simplement, nous dit que nous prenons le travail, nous prenons l'écrit en lettre, le gouvernement allemand, nous avons souhaité que les Haïtiens visent pour nous exiger que gagnent un lettre d'excuse qui vient de nous. Soit une lettre d'excuse ou bien un email ou un texte, mais nous allons l'écrire. Nous avons écrit l'ambassade ambassade et l'ambassade allemande pour nous dire mais qui ça que nous voulons et mais comment pour le problème ça. Merci. À la prochaine.